Perpice, c'est un drôle de nom pour un ferrailleur. Permettez, j'arrive. Il y a des trucs de partout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Wow. Excusez-moi, je pille votre atelier. Pourquoi il y a un poisson dans le mur? Oups. Excusez-moi, je suis en train d'essayer de vous tuer. Pourquoi il y a des... Arrête de poser des questions, Inaï, parle-lui. Bienvenue, bienvenue. Excusez les autres, je travaille sur plusieurs projets en même temps et mon esprit divague un peu partout. Il est pas différent de moi. Mais ce n'est pas grave, je suis parfaitement multitâche. C'est ce que je préfère. Les appareils, les gadgets, les bidules, les machins, la tech. Si tu as quelque chose à construire ou à réparer, je suis ton homme. Alors, qu'est-ce que je dois réparer? Oh, je vois. Ce Gumbrella est effectivement de ma fabrication. Un Gumbrella MK2, rien que ça. Et il a été bien entretenu. Mais je suppose que tu ne viens pas pour me parler de la marque et du modèle. Tu ne veux pas vider ton sac et m'expliquer ce qui se passe? Si, mais laisse-moi le temps d'en placer une! Ah, de longues heures d'explications plus tard. Résumé en quelqu'un a tué ma famille et a laissé ça sur place. Je vois. Donc, tu crois que la personne qui a tué ta femme l'a fait avec ce Gumbrella? Et comme tu l'as trouvé sur la scène du crime, c'est ta meilleure piste. Ah, je te dirai ce que je peux. Ces armes ont été commandées par Avalon Industries pour leur police d'élite, plus connue sous le nom des flingueurs parasols. Bizarrement, je m'en doutais un peu. Le tien, en particulier, a été fabriqué pour un vieil ami à moi qui a rejoint leur unité il y a une dizaine d'années. Je crois qu'il a pris sa retraite depuis longtemps et qu'il passe son temps à pêcher. Je ne crois pas qu'il soit coupable, mais je suis certain que ton arme est celle que j'ai fabriquée pour lui quand il a rejoint les flingues. Moi, donc, vieux pêcheur, il finit souvent à l'endal pour rejoindre son point de pêche ou se rincer le gosier. Si tu ne trouves pas, il va souvent au bistrot juste après l'ascenseur. Quelqu'un le connaît peut-être. Allez, avant que tu partes, comment je pourrais dire ça? La technologie du Gumbrella a beaucoup évolué depuis le modèle MK2. Et je peux te l'améliorer si tu me fournis les pièces. Ça tombe bien, j'ai pillé ton atelier. Tu peux prendre des pièces détachées dans mon coffre là-bas. Je l'ai déjà fait. Comme ça, on pourra commencer. Ah, je suis sûr que tu seras content du résultat. Vas-y, améliore mon flingue. Oui, tu me l'as déjà dit. Tu as besoin de modification? Oui. Augmente la puissance d'attaque ou augmente la vitesse de rechargement. J'ai l'impression que l'attaque pourrait être plus intéressante, mais d'un autre côté, le rechargement me permet d'avoir une vitesse d'attaque, donc un DPS plus élevé. Mais d'un côté, oui, ça continue d'augmenter. Ok. Je vois pas la différence. Bref. Mais enfin, je vous l'ai déjà dit, je sais rien. Vous devez me croire. Ah. Ne ferme. Gaspillons nos efforts avec ce manœuvre. Hein? Hein? Pendant que notre proie se cache quelque part. On bouge! Avec plaisir. Oh, ne t'inquiète pas. Nous prendrons bien soin de ce vaurien. Mouahaha!
J'ai une sacrée bonne ouïe et une sacrée bonne vue pour voir à travers le sol. Et entendre un étage en dessous. À côté du bricoleur qui empêche les gens de dormir. Je suis sacrément doué en fait. Aïe aïe aïe. Ah, ça fait du bien de se poser un peu. Bonjour. Où est-ce qu'il a bien pu aller? Oh, bonjour, ce visage n'est pas familier. J'ai l'intention d'aller dans la cambrousse. Sois prudent là-bas. Il y a plein de bêtes sauvages sur la route du sud qui mènent au coin de pêche. Et les ferrailleurs qui sont dans la casse ne sont pas très accueillants. C'est un endroit dangereux pour un gamin. Parle-moi du coin de pêche. Il y a un ancien coin de pêche. Tu files la route du sud dans la cambrousse. C'est où le sud? Est-ouest, ok, mais le sud. Il est très fréquenté avant, mais c'est devenu trop dangereux depuis quelques semaines. Je crois que Marl s'y est battu contre une sorte de monstre il y a quelques temps. C'est une coriace. Mais depuis, la cambrousse est devenue plus agitée. Déconnecté de la nature, je dirais. Si la nature se déconnecte d'elle-même. Parle-moi un peu de la casse. Oh, si tu suis la route du nord dans la cambrousse, tu l'atteindras. Mais à ta place, je resterai prudent. Elle sert de base aux gangs des ferrailleurs. Ils ne sont pas foncièrement méchants. Ils nous ont même aidé à repousser les gugus d'Avalon quand ils ont fait une grosse descente. Ils sont juste un peu... violent. Et le gamin que tout le monde cherche. Ah, quand les flingueurs ont débarqué tout à l'heure, j'ai dit à mon neveu de courir se cacher. Il sait qu'il vaut mieux éviter les ferrailleurs alors. Je présume qu'il est allé vers le sud et le point de pêche. Si tu vas là-bas, tu veux regarder si tu le vois. Il est malin, je pense qu'il se montrera, mais. Laisse tomber, je m'occupe de tout. Qu'est-ce que c'est? Casse, ouest, est. Oui, ça je le sais, mais comment je vais au nord? Comment je vais au sud? Qu'est-ce que... Ouah, le poisson! Je l'ai explosé. Je l'ai explosé le poisson. Voilà. On règle les... J'ai paniqué. Bonjour enfant. Ok, je ne sais pas. Je ne sais pas comment gérer efficacement ces bestioles. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est. Qu'est-ce que. Quoi? Comment je l'ai retourné? Je suis en train de me tuer toute seule. J'ai besoin d'une pause. Hey, il a respawn. J'ai besoin d'une petite pause là. J'étais très mauvaise. Ah. Allons vers le nord. Enfin, je suppose. Qu'est-ce que...
pièce, elle est beaucoup trop vite. Je maîtrise rien du tout. Je maîtrise rien du tout. Fort heureusement, on n'est pas loin. Bon, deuxième chance, vous allez voir si ça va mieux se passer. Il faut que j'apprenne vraiment à viser avec mon stick plutôt qu'avec le... Avec mon stick de viser plutôt qu'avec le, l'autre stick. C'est pas grave, ça s'est passé. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? Billet de train, clé, clé, boulette, moteur, j'avais raison. Et donc j'ai rien récupéré de tout ça. Ok, là ça mène à rien. Par contre, je veux vérifier un petit truc. Il y a des mobs qui respawnent. Blab, d'où je me suis pris ce coup. Avant de crever bêtement, on redescend. Je suis vraiment pas doué. Bonjour, je reviens prendre une pause parce que... C'est fatigant tout ça. Oh la violence! Ouais, je vais arrêter d'essayer de tuer ce machin. J'ai visiblement aucune idée de comment m'y prendre. Passé. Je suis mauvaise. Vous savez quoi? C'est une telle médiocrité, je suis obligé de bouffer du rat. Ça compensera ma médiocrité. Oh là 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 là! Voilà. Abat l'oiseau, fallait pas rester dans le coin. Toi, je sais pas comment te gérer, donc juste. Est-ce que je peux l'atteindre comme ça? Non. J'ai littéralement aucune idée de comment. Et j'ai des pansements, ça valait le coup. Mille fois, ça valait le coup. Toi, tu meurs. J'ai bien fait de bouffer du rat et de pas prendre de pansement. Je suis fier de moi. Je crois qu'on s'approche de la décharge. Hein. Pas de démarchage, ni de conneries.
Ok, c'est pas l'endroit que je voulais visiter de toute façon. Merde. Ah ah, j'ai obtenu un corbeau, j'ai réussi. Je suis une collectionneuse d'animaux. Je sais pas pourquoi je récupère tous ces poissons. Ah, c'était très moche, ça. C'était très, très moche. Mais je ne regrette rien. Il a explosé en beauté. Par contre, tous ces poissons verts, bestioles aquatiques, peut-être cuits. Quelqu'un pourrait l'acheter. Quoi ? Peut-être cuit. Putain, on bouffe. Ce jeu, en fait, c'est la vengeance contre la végétation. J'ai pas de d'autres explications de pourquoi on se nourrit de tout ça. Tu es à moi. Ça ne respawn pas. Ok. Ah, je suis en train de brûler. Pourquoi je suis en train de brûler? Rayon de miel, ça se mange? Ça se mange même pas. Tu entres? Ah, je veux ça. Ah là, on s'en sort petit à petit. Qu'est-ce que... Stupide piaf. J'en ai marre de sous ces guêpes. Ok. Enfin, un semblant de sécurité, ça compte. Qui entre ? On va éliminer ça tout de suite. Avant que ça ne soit un problème. Plus important. Fuck. On peut faire le tour par ici. Poisson. Voilà, c'était important. C'était essentiel, même dirais-je. Voilà, écaille de poisson. Je commence à me demander si c'était vraiment la bonne chose à faire que de prendre la vie, les dégâts. Enfin. Non, juste non. Le crapaud, il s'est cru, vas-y, c'est gratuit. Moi, j'ai dit non. Il m'a fait peur, le con. Ah! Ok, je vois comment on gère ces bestioles. Bon à savoir. Oui. Ah,
La panique est totale. Aïe. D'une manière ou d'une autre, ça c'est géré. Ah, un peu de repos. Tu répit. Il y a des choses en bas, il y a des choses en haut. Qu'est-ce qu'il a respawn? Il n'y a rien qui respawn. C'est mirifique, c'est merveilleux. On croyait plus au miracle ici. Qu'est-ce que... Saloperie. Bon. Voilà. Repos. Repos, j'ai vu beaucoup trop de pics sur ce mur. Ah, putain. Quand même, ces pêcheurs, ils le veulent, leur leur poisson. Parce que... imaginez faire tout ce trajet pour aller pêcher. Vous avez un hobby, vous devez braver la mort 36 000 fois. Franchement, oh non, j'ai plus de place pour des corbeaux. Mais il était pas là avant, cette connerie. Blap. Putain de végétation. Mon dieu, je veux des parkings partout. Saloperie. Ah, j'ai mal. J'ai très mal. Bientôt arrivé. Pourquoi ça brille en vert? Pourquoi ça ressemble à un truc de boss? Je peux pas descendre, ce qui est, je pense, une bonne chose. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye les gens.